Salut tout le monde, c'est Taizo, on se retrouve pour le 8ème épisode sur le let's play de Code BO2 sur PC. Donc on va les voir ensemble, on s'était arrêté à la mission Karma, Ilkamaïan, en 2025, mais on avait débloqué des missions EEI. Donc on en avait débloqué deux, donc il y en avait une qui était basée en Inde et une autre qui est là, juste ici, qui est en Afghanistan. Et celle qui était basée en Inde, en fait, on l'avait déjà faite. Et en fait, ils veulent qu'on la refasse pour être en lien avec, vous savez, la map à chaque fin de mission de force d'assaut qu'on avait. Vous savez, c'est en vert, gris ou rouge, si ça a été repris par les ennemis, etc. Donc il y avait l'Inde qui était en vert. Ça, c'était pour la première mission qu'on avait réussi à faire. Et après, c'était la deuxième aussi, c'était en vert aussi. Après, on a eu un entraînement. Et là, à gauche de l'Inde, donc je vais vous montrer à la fin de cette mission, si on réussit. Il y avait une partie à gauche d'un autre pays, je crois, c'était... je sais même plus c'est quel pays, qui était en vert aussi, mais ils considéraient ça comme l'Inde, en fait. Et du coup, bah, cette mission-là, normalement, il y avait trois choix pour l'épisode dernier. Et je l'ai déjà faite, en fait, parce que c'était la même mission qu'on avait déjà faite. Et ce sera à rien de refaire la même chose. Donc, autant la faire en off. Et là, on va la faire celle-là ensemble. Donc, je vais vous lire les objectifs. Donc, c'est une mission EEI, c'est en Afghanistan, c'est en 2025. On doit escorter le VIP jusqu'au point d'extraction. On aura 5 forces d'assaut escouade ennemies, je pense. Et pour les unités disponibles, ça change. On est complètement autonome. On n'est que avec des drones QR, ASD et plateforme de munitions. Donc je sais pas si on va incarner des soldats. Et si j'appuie sur R pour voir l'état de service, donc histoire. Donc là, vous avez pu voir ici, là, épave, on l'avait déjà faite. Donc du coup, le cargo a été détruit. Donc ça, on l'a fait deux fois. L'Iran est protégé contre l'invasion de la SDC. Base de Spectre, la base a été sauvée. L'Inde est protégée contre l'invasion de la SDC. Et là, du coup, il nous manque EEI. Ça fait un peu bizarre. L'Afghanistan est toujours en danger. Et ça, on va devoir la faire. Donc ça, là, du coup, ça va faire la quatrième mission de force d'assaut qu'on fait. Et on est au 8ème épisode. Donc, c'est plutôt cool. Donc ça suit un petit peu. Donc on va aller voir ça. Et puis voilà, juste avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, je vous remercie. Activez la cloche si vous voulez pas rater l'épisode et être notifié comme là maintenant. Et si vous cliquez juste ici, au-dessus de ma tête, ou à droite sur le petit i, juste là, vous allez apercevoir d'autres playlists que je vous recommande d'aller voir, dont celle de Pacify, PUBG et Star Wars Battlefront 2, qui sont plutôt pas mal, qui sont des best-of, et c'est les meilleurs. Donc voilà, bref, je pense que je vous ai tout dit, et je pense qu'on va être très rapide pour cette mission. C'est parti. À cause de la menace d'assassinat, le sommet a été déplacé à Medan Shahr, à 80 km à l'ouest de Kaboul. Bah, vous avez vu là, voilà, bas, là. Le au fond à droite. Au moindre signe de danger, les deux verts là, c'est ça qu'on avait réussi à faire comme mission. Obligatoire, vous voulez dire. Les quadrotors fourniront la surveillance aérienne. Vous en aurez besoin, ces fumiers se terrent dans les montagnes comme des rats. Kraken vous lâchera pas et enverra du soutien aérien si nécessaire. Les ASD vous escorteront. Pas d'infanterie, on joue la carte de la prudence cette fois. Juste des drones au sol et dans le ciel. Ouais, ça va être compliqué un peu pour les déplacements, je pense. Hein. On va voir. J'espère que ça va bien se passer. Alors, le briefing. Ok, d'accord. Défendez le convoi. Territoire Pachun en Afghanistan. Ok. Vas-y, passe à la formation suivante. Utiliser les quadrotors, les ASD et la plateforme de munitions pour protéger les sanitaires afghans. Escorter le convoi jusqu'au point de rendez-vous. Il est où? Cherchez et détruisez tous les EEI qui se trouvent sur le chemin du convoi. Utilisez des ASD ou la plateforme de munitions sur les blindés ennemis. Plateforme de munitions, je pense que c'est un missile Predator, hein, parce que c'est un peu bateau de dire ça comme ça. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. La signature thermique la plus proche est à proximité de Echo Sierra 719854. Les quadrotors supplémentaires sont opérationnels. Quadrotor abattu. Multiples ennemis repérés dans la zone. Ok, donc là c'est déjà fait. Nos capteurs ont repéré de l'activité suspecte dans les collines avoisinantes. Okay. Unité de soutien, neutralisez les EEI et sécurisez l'itinéraire pour le convoi. Ok, ça marche. Autorisation d'engager. Tirez à volonté pour soutenir le convoi. Le véhicule est attaqué par des troupes ennemies. Il faut intervenir. Attention, okay. D'après nos sources, l'ennemi a placé des EEI sur la route principale. C'est quoi ce truc? L'ennemi se rapproche du convoi. Utilisez les ASD en défense. Alpha tiendra plus très longtemps. Il faut détruire ces chars. Ouais, attends, on va prendre le contrôle. ASD sous mon contrôle. Et non, il est où? Menace éliminée. Char ennemi détruit. C'est bon. Ouais. Ok, je reviens. Hop, allez. Ah, c'est pas facile. Hein.
Ok, je l'ai eu. Lance-roquette ennemie neutralisée. Cavalier ennemi pris pour cible. Allez, venez les mecs. Ok. Regardez-moi ça, là, ça casse la balle. Objectif prioritaire, neutraliser les ennemis à cheval. Sans doute là, là. Ah, c'est beaucoup, hein. Objectif prioritaire, neutraliser les ennemis à cheval. Le véhicule Alpha se fait tirer dessus de tous les côtés. Cavalier ennemi pris pour cible. Ouais, ça va, il a encore de la vie, là. On est dans un sale état. Objectif prioritaire, neutraliser les ennemis à cheval. Lance-roquette HS. Non, ça, cavalier ennemi pris pour cible. Il y a un tank là qui est juste là. Butez-le, butez-le, les gars, butez-le, butez-le. Aïe! Allez, 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 butez-le, les gars. Super. Attends, on va prendre la plateforme pétrolière. Ah, la plateforme pétrolière. Accès au système de contrôle des AST. Quoi d'autre déployé? Là, je suis tombé là. Je suis où là? Attendez. Attends, je peux pas prendre le contrôle. Ok, ça on l'a détruit. Ok, ok, ok. Bon, je me suis un petit peu perdu dans les commandes. Voilà, je suis en train de défoncer là. J'essaie de bouger un petit peu là. Là ça va, y'a plus personne. Y'a que de. Là, ouais, y'a que de blindés là. Allez, allez, allez. Bon, ça va en termes de vie. En termes de vie, c'est bon, on est ok là. On est ok. Wow. Ah, le fume. Ok. Ah, mais c'est pas possible. Il est en train de défoncer. Tu vas nous lâcher un petit peu, non? Oh, il vise que moi. Bizarrement, il vise que moi. Voilà, super. Ah, putain, j'ai cru que ça allait bloquer toute la mission, là. Les gars, vous avancez ou c'est comment là? Ils font quoi? Lance-roquette HS. Ah bah voilà. EI repéré sur la route du convoi. Elles sont relous. Utilisez tous les moyens disponibles pour supprimer la menace. Neutralisez ces EI avant qu'ils ne fassent des dégâts. Ça marche. Il y a des EI partout sur la route. Où ça, où ça, où ça? C'est bon là, non? On peut pas avancer là? L'ennemi a posé d'autres EI sur le chemin. On est en train de se mélanger les pinceaux, laisse tomber. Il y a des EI partout sur la route. Moi je les vois pas. Hein. Ok. Allez les gars, protégez pas ça là. Neutralisez ces EI avant qu'ils ne fassent des dégâts. Ok, lui il est en train de galérer lui aussi. Lui là, on y va, on y va, on y va. Allez, venez les mecs. Ok, oui, je l'ai eu. Je crois qu'il attend les autres, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas possible. Prise de contrôle des quadrotors confirmée. Aéronef ennemi dans la ZO. Utilisez les quadrotors contre les menaces aériennes. Ah ouais, carrément. On subit des attaques ennemies. Ici, bravo. On ne tiendra plus très longtemps. Impact, impact. Allez, allez. Aéronef éliminé. Eh, le dé là, je sais pas ce qu'il fait. Mais ils sont où tes EEI de merde là? Je comprends pas moi. Le relou lui. Allez les gars. Où ça? Oh, c'est quoi ce truc? C'est de finir. Allez, allez, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Yes. Wow. Ok. On va aller voir l'autre là, je sais pas ce qu'il fait le dé là. On est en train de se rapprocher. On est à 300-400 mètres du dernier objectif là. Allez, dépêche-toi, c'est relou, franchement c'est relou, ça nous fait perdre grave du temps. Ça c'est mal foutu ça en termes de scénario, en termes de script. C'est très relou. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un tank ou un truc comme ça, il faut qu'on le déprise tout de suite. Pour qu'il bloque pas l'avancée des véhicules. Mettez-vous là, les gars.
ça c'est parce qu'il bloque le véhicule B ou A. C'est ça qui bloque un peu. De toute façon, s'il y a une nouvelle activité, je sais pas quoi, ils vont nous dire. Venez ici les gars. Où ça, où ça, où ça? Allez, eux je les ai eus. Hop, ça c'est fait. On lance l'assaut sur la cavalerie ennemie. Objectif prioritaire, neutraliser les ennemis à cheval. Lance-roquette éliminée. On lance l'assaut sur la cavalerie ennemie. Voilà, vous voyez là, il y a tout le monde qui avance là parce qu'on bloque pas le passage en fait. Le véhicule Alpha a besoin d'aide. Détournez leur attention. Le véhicule Alpha est sous le feu ennemi. Objectif prioritaire, neutraliser les ennemis à cheval. Lance-roquette HS. Moi j'essaie de tirer du mieux que je peux là. Le lance-roquette ennemi a été éliminé. En fait c'est parce que... Ouais ok, je viens de capter en fait. Lance-roquette ennemi neutralisé. Si je veux que le convoi il avance en fait on doit lui dégager le chemin. Même avec nous les véhicules. Il y a un autre hélico là. Ça c'est absent pas bon ça. C'est barré, c'est barré. On va aller là. Allez, on détruit l'hélico. Voilà, super. Impact, impact. Aéronef éliminé. On va essayer de les avoir. Super. Lance-roquette ennemie neutralisée. Le lance-roquette ennemie a été éliminé. Ah, je le sais, le D, qu'est-ce qu'ils font? Lance-roquette ennemie neutralisé. Ouais, c'est bon, ils avancent. Je vous ai dit, hein, faut, en fait, faut avancer le chemin pour voir, en fait. On a appris ça sur le tas, hein, franchement. Bon, ça va, en termes de gameplay, ça va, mais en termes de script, là, c'est pas de ma faute. Franchement, je pensais pas que ça allait bugger comme ça. On est bientôt arrivé en plus. Où ça, où ça? Oh, il y a du monde aussi. Lance-roquette ennemie neutralisée. Ok, on les a eus. C'est pas mal le drone, hein. L'ASD, il est un petit peu trop lent, je trouve. Où ça, où ça? Lance-roquette HS. Ben, venez ici, les gars. Vous voyez, ça bloque, en fait. L'ASD bloque le passage, en fait. Après ça se trouve, ça bouge automatiquement, hein. Peut-être je me trompe pas, mais vous avez vu tout à l'heure, quand je ne comprenais pas les SD, ça buguait de malade. Voilà, vous avez vu là? Là il galère, là. Voilà, marche arrière, comme dans la vie. C'est même pas prendre à gauche ou à droite, c'est même pas conduire. Qu'est-ce que... Objectif atteint, rallier le point d'extraction. Super. On a réussi. Ah, c'était une mission secondaire sympa, mais oh là là, rempli de bugs. Bon, c'est déjà de quoi je vais vous dire dans le briefing là, de la mission. Là. Ok, au moins elle a réussi. Je vais pouvoir vous montrer la map. Là, je suis dégoûté, c'était dégueulasse. Je vais devoir cut là, c'est sûr. Voilà, vous avez sans faute. Ça fait plaisir à voir. Donc tout est en vert. Ça, c'est cool. Le président afghan est sauvé, l'Afghan. Istan résiste à la SDC. Voilà, et du coup, on se retrouvera pour la prochaine émission, pour cette mission. Donc Karma, Lucamayan, on retourne avec le fiston, David Mason. Et là, du coup, notre setup, il va changer, je pense. Notre équipement, pardon. Et pour l'objectif, c'est pas très compliqué, capturer Karma, tout simplement. Donc là, juste pour faire un état de la mission qu'on vient de faire, catastrophique en termes de scénario et de script. C'était cool, hein, le convoi, il n'y a pas de souci, mais vous avez vu comment il galère. Et j'étais obligé de couper. Si vous avez vu des coupures ou des trucs qui n'ont pas de sens, qui ne suit pas, c'est normal. Parce que c'était beaucoup trop lent, en fait. Donc voilà, je m'en excuse, hein, là, c'est pas de ma faute pour le coup. En termes de gameplay, on sait bien ça, c'était cool. Hein, on avait le drone, on a filmé les chevaux, les mecs qui étaient dans les montagnes et les hélicos. Et à part ça, ouais, non, franchement, c'était normal. Mais dégoûté que ce soit aussi lent comme ça et que ça rallonge la vidéo comme ça. Donc voilà, je suis désolé. Au moins, je vais couper dans la vidéo. Ce sera court pour vous. Et moi, ce sera un enfer.
Donc voilà, en tout cas je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas c'était normal, c'était une mission secondaire comme ça, classique, cool. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui arrive dans la semaine. Donc voilà, merci, ciao. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, je vous remercie. Active la cloche, ça c'est pour l'intro. Et voilà, ciao, salut, merci.